Salut à tous, c'est Drake Gaming et on se retrouve pour une petite vidéo à la Manowar en domination sur la map Fringe. Donc c'était un petit gameplay que j'ai réalisé. Donc pour ma part, j'ai fini sur un score de je ne sais plus combien, je vous redirai. J'étais avec la Manowar, donc je lui avais mis le silencieux pour rester furtif minimum. Que sur cette map, il y a beaucoup de combats au corps à corps, surtout dans la maison où j'étais. Alors, donc, il faut savoir que cette map, on va dire qu'elle se répartit en à peu près trois parties. Donc, la première partie, là, non, plutôt quatre parties. La première partie, la partie où je suis. Donc, la maison, tout le coin là, tout le coin gauche. La partie de la grange en face, là, rouge, comme vous pouvez le voir. La partie tout à droite là-haut, je pense que j'irai en cours de partie. Et la partie au spawn du point A. Donc j'ai quelquefois switché sur des uns parce qu'il me semble que j'avais pas la toupillard. Donc j'ai switché sur quelques armes que j'ai trouvées au passage. Il faut savoir que j'ai débloqué mes streaks une première fois. Il me semble que je les ai débloqués deux fois. Et la partie s'est très bien terminée. Il me semble que j'ai fini sur du... Je ne sais plus, 39 kills, un truc comme ça. Donc, il y a des moments où j'ai vraiment eu du bol. Bon, là ça va. Là, vous voyez, j'étais à 50 points de la tourelle, à peu près. J'arrive pas bien à lire où je suis. Il me semble que... Ouais, je vais l'avoir. Non, je sais plus. Si, je l'ai eu. Et puis après, ouais, ça va être... ça va partir. Je vais débloquer mon Cerberus, mon fantôme, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Alors, dites-moi dans les commentaires si les gameplays vous plaisent. Si vous souhaitez d'autres types de gameplay sur d'autres modes de jeu. Avec d'autres armes, avec n'importe quoi. Même si vous voulez me proposer du zombie, moi je suis d'accord, je suis ouvert à tout. Même de la campagne, même si j'aime pas. Je crois que je l'ai même pas fini d'ailleurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc comme vous le voyez là, j'étais à 50 points de mon fantôme. Et je vais le débloquer, et il me semble qu'en cours de partie je vais le redébloquer, et ça va être parti. Donc je vais essayer de varier les vidéos de jeu parce qu'en ce moment je fais pas mal de Black Ops 3. Ouais, j'essaierai de refaire un peu de Just Cause, un peu de toutes sortes de jeux. J'essaierai de faire peut-être du AW parce que j'aime bien ce Call of Duty, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc ça va être d'en faire. Vous savez que dans peu de temps, il y a Far Cry Primal qui va sortir. Et je n'hésiterai pas à me l'acheter et à faire des vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires les armes que vous préférez. Vos goûts personnels, parce que bon... ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez. En tout cas, je peux vous dire que... Il y a une arme qui me déplaît particulièrement... mitraillette. Alors je sais pas si elle était patchée ou quoi que ce soit, c'est la 8-ville. Alors faut savoir qu'au début du jeu, quand je l'avais au début, je faisais des très bonnes parties, mais au fur et à mesure du temps j'ai l'impression qu'elle a perdu mais vraiment beaucoup de puissance. C'est pareil pour la comment elle s'appelle, la VMP. J'ai l'impression qu'ils l'ont patchée et elle a plus de dégâts maintenant. C'est... En tout cas, moi, je dois mettre beaucoup plus de balles. Avant, j'en mettais 3, maximum 4. Non, je dois presque en mettre 6 à des moments. Donc, je pense qu'ils l'ont patché. Je ne sais pas. La Vesper, c'est pareil. En ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais les SMG, j'ai l'impression qu'ils ont tout patché. Et puis, cette Manowar, alors là, elle est vraiment sublime, cette arme. Juste avec tir rapide. Et c'est nickel. Quoi, là, il faut que... Ah non, là, ouais, en fait j'étais à 100 points de ma tourelle. Voilà, donc je suis un peu dégoûté. Donc, oui, je jouais avec le spécialiste concentration qui est un vraiment très bon spécialiste quand on sait bien le manier. Parce que je trouve qu'à des moments il est vraiment utile,
Surtout dans les modes de jeu comme domination, voilà. Je réfléchissais parce que je vois que je me suis fait tuer bêtement. Oui, donc comme domination, les modes de jeu de genre. À point. Alors, j'essaierai de faire quelques petits gameplay au sniper, oui. Au pompe, faudrait que j'en fasse parce que je suis pas du tout un expert du pompe. Ça me plaît pas d'ailleurs, mais j'en ferai peut-être un petit, quelques petits gameplay au pompe. J'essaierai au sniper et bien sûr, je continuerai les gameplay à l'arme, à l'AR, aux SMG, enfin un peu essayer de varier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors oui, c'est vrai que j'ai commencé directement sur Black Ops 3. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce Black Ops 3. Personnellement, je l'aime bien. Mais quelquefois, ça... Je trouve que... Ça me... Je sais pas comment dire, mais c'est différent de Black Ops 2, de tous les Call of Duty qu'on avait auparavant. Mais c'est quand même un très bon Call of Duty. Le seul truc qui me gêne vraiment, c'est les jetpacks. Oui, qui sont un peu chiants parfois, parce que c'est vrai qu'il y en a, y a quelques personnes qui en abusent. Ça devient vraiment chiant. Et bien sûr, le. Comment ça s'appelle? Alors, oui, enfin non. C'est plutôt que le. Y a un sprint. On va dire qu'en fait, on s'arrête jamais de courir. C'est plus ou moins bien parce que. Quelques moments, on se dit c'est bien pour nous, mais quand les ennemis ils te rushent très rapidement, tu voilà. C'est après ça devient vite vite fait agaçant et on en a marre. Donc je voulais venir aux abonnés, ça me fait très plaisir. Le nombre augmente de chaque jour, ça augmente un petit peu, ça fait toujours plaisir. Il semble qu'on est à 17 là. Depuis le temps que j'ai commencé ma chaîne, ça fait seulement 2, 3 semaines. 3, 4 semaines, il me semble. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir déjà une dizaine d'abonnés. Donc, oui, n'hésitez pas à lâcher des commentaires hein, parce que ça. En tant que youtubeur, on en raffole. Donc, je vais vous laisser la fin de ce gameplay. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le score, alors, de fin n'est pas énorme, mais j'ai trouvé que c'était un bon gameplay. Je suis pas mort trop de fois. C'était pas trop mal. Et puis, la Manowar, comme j'ai quasiment pas fait de gameplay avec, je voulais en faire un petit. Donc, c'est celui-ci que je vous propose. Je pense que j'en vous en proposerai un autre. Et donc, je vous dis bonne fin de vidéo et ciao à tous!